Salut, vous allez bien ou quoi? Oh là 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 là. Ah, c'est la folie. Avec belle vue, petit coucher de soleil là qui arrive. Comment ça, je suis sub chez toi, moi? T'es sub chez moi? Ah bah ça fait plaisir. Bah ouais, mon frère, tu finances, c'est bien, merci. Comment allez-vous, messieurs, dames? Vous allez bien? Est-ce que vous allez bien en ce magnifique samedi? On est samedi, hein? On est samedi. Comment allez-vous en ce magnifique samedi? Il doit être midi en France, je pense, ou 11h30, quelque chose comme ça. Petite matinale pour vous. Chez nous, il est bientôt 19h, si je ne m'abuse. Donc voilà, voilà. Là, les gars, on se dirige en direction de Daikoku. On n'est pas encore arrivé. On est avec Kezia. On est avec Hugo. Hugo, dis bonjour. C'est Hugo Décrypte. Là, il est en train de préparer 2-3 news. Ouais, Hugo Symptomatique, c'est ça, non? C'est Hugo Symptomatique, les mecs. On est avec le magnifique Zach Nani. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va et toi, mec? Bah ça va, on s'est pas trop vu avec Zach aujourd'hui. Là, le plan est incroyable. Là. Je suis beau garçon. Et on est, oui, t'es très beau garçon. Et on est avec Louis. Louis, comment avec tu vas? Dites bonjour à Louis, le chat. Louis qui a des activités sur Tokyo, autour de l'automobile, etc. Qui nous emmène à Daikoku. Il nous a déjà emmené l'année dernière. C'est le frère. Et là, cette année, il a accepté de nous réitérer l'expérience. Et normalement ça va être mieux que l'année dernière parce qu'aujourd'hui il fait beau, il fait chaud, on est samedi soir. Et il pleut pas surtout par rapport à l'an dernier où il y avait un début de pluie et ça avait été limité. C'était compliqué. Ouais. Et d'après Louis, là normalement il y a du monde, juste les keufs vont nous dégager d'ici une heure. Après il y aura d'autres spots à visiter, etc. Mais là aujourd'hui ça risque d'être la folie, j'ai très hâte, on arrive dans à peu près 5 minutes. Ouais, petite connexion instable, mais ça arrive. Les gars, je vous l'annonce, dans ce stream ça va bugger quelques fois hein, parce qu'on va être en route, donc c'est normal, vous inquiétez pas, on va beaucoup bouger, c'est pas le scandale du siècle. Là ou pas, ça marche ou pas? Parce que moi il y a écrit transmission instable, moi, je sais pas quoi. Là, j'ai peut-être du retard. Ouais, je sais pas, peut-être que t'as du retard. Bah ça bug déjà, t'inquiète, on a l'habitude. Ouais. Non mais les gars, c'est normal, je vous le dis, c'est normal, ça va beaucoup bugger, vous en faites pas, c'est normal, on est sur la route. Y a rien de plus normal, ça marche ça tranquille. Va le faire. Bah oui, ça va le faire, t'as vu l'annonce d'Mbappé, la vidéo? Oui, je pense qu'il faut être dans une grotte pour ne pas l'avoir vue. Ah non, parce que Kezia n'a pas voulu la regarder. Oh on arrive. On arrive. Oh là là. Oh là là là, j'ai hâte. Regarde toutes les voitures en série là, enchaînées. Oh, ça va être la folie. Mbappé qui trash, oui, là, il a quitté le collectif, ça y est, c'est terminé. Ça y est, on n'en pouvait plus aussi du feuilleton Mbappé, le Real, etc. Non, on soufflait un petit peu, donc maintenant que c'est fini, même si on le savait depuis longtemps, on souffle. Je pense que du côté parisien, tout comme du côté madrilène, ça souffle. Je vois du monde, mec. Ça bug là, ou pas pour toi? Non, ça a l'air de fonctionner. Ça fonctionne là pour vous le chat là? Le son c'est bien, la vidéo c'est bien parce que j'ai baissé les bitrate aussi. C'est la même route que l'autre fois, exactement. Exactement là-bas. Et ils ont stratégiquement mis un Lawson, tu te rappelles, on est allé l'an dernier. Ouais, exactement. On arrive. Ouais, c'était quasiment il y a un an jour pour jour, pratiquement. Quasiment un an jour pour jour, mec. On arrive. C'est carré. Ah bah parfait alors! Et vous, comment allez-vous en français? Comment il fait beau, il fait moche? Qu'est-ce que vous racontez dans votre vie? Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Racontez-moi un petit peu. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Voilà. Nous, là, on va pas tarder à revenir en France. On vient mardi, mercredi. Malheureusement. Malheureusement, ouais. On aimerait bien rester peut-être toute la vie. Oh là, ouais. Oh, le monde. Ah ouais, là, c'est pas comme l'année dernière. Ah, là, c'est... Ah, ouais. C'est... Pour un fan de voiture comme Kezia, je pense vraiment que l'année que t'es. Oh là là. C'est qu'il n'y a pas grand monde. Mais là, vous avez vu le truc, vous avez pu faire le tour avec les mecs et tout. Donc c'était ouais. Cool. Mais là, il y a quelqu'un qui a pris en photo, je pense, c'est pas pour la voiture, c'est pour toi, Yas. Ouais, je pense aussi. Hein. Ça y est, on cherche un petit truc à boire et puis après, je vais te suivre aussi, j'aimerais bien prendre un petit truc à boire. Mais là c'est à fouille, même le spot il est magnifique et tout. En vrai les gars c'est le même que l'année dernière, mais là un peu de jour comme ça, on l'avait pas vu de jour l'année dernière, c'était un peu plus tard, même beaucoup plus tard. Mais là les gars non, c'est un mood. Ouais,
Ouais, mais celle-là, les galères, t'as le. Ah ouais. Espèce de gros. Oh, quand ça a trop tôt. C'est qui au volant? C'est Louis. 20 balles à un mec pour nous faire un tour, ça va être la folie. C'est combien tu penses C'était combien déjà les dernières pour faire dernière, on avait donné milliers, une demi-millions. Ouais, bon, moi j'ai dit. J'étais content, négatif, je les ai recroisés après. Ah ouais, ouais. Mais tu les suivais sur Twitter. Sur Insta, tu les suivais. Ça, c'est une GTR. Vas-y, go, putain. Mon gars, tiens, l'argent. Là, il a Kezia, c'est pour toi. Kezia, il est aux anges, les mecs. Là, là. Là, c'est le jour de Kezia. Hein. Ah, c'est bon, vraiment. Il attend ça depuis longtemps, je suis content pour lui en vrai. Tiens, vas-y. Là, les gens, ils sont. Bah déjà montre un peu la voiture dans laquelle on était peut-être. Ouais, ah oui, on était dans cette voiture déjà, mais après les gars, je vous avoue, je connais pas le modèle ni les marques, etc. Kezia, je sais pas si tu peux nous éclairer. Là, là les gens ils savent pas, mais pour moi c'est un rêve de malade. Ah ouais. Oh là 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 là. Ah ouais les gars. Les gars, c'est la folie. Putain, il y a là le monde et tout, putain, dans sa tunnel. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, je pensais qu'il allait refaire. Ok, vas-y. Non, c'est magnifique. Les amis, il y a Zach en même temps qui tourne une vidéo. Non, franchement, les gars, ça pouvait juste mettre ma batterie. Il y a de la pluie. Et pas de la bombe. Ouais, s'il te plaît, ça dérange pas. Ah oui, mais... d'ailleurs, bonjour le chat, vous m'avez pas vu. Coucou. J'espère que vous allez bien. Nouveau suite aujourd'hui, les gars. Petit suite. Ah, vraiment l'affaire. Petit suite ami que j'ai acheté pour la modique somme de 80 euros. Il en vaut 315. Merci les Japonais, vraiment. Putain, ça, c'est les belles affaires. C'est quelqu'un qui voit. C'est Kezia qui a eu l'œil. Attends, écarte-toi. Attends, je mets juste ça. Là, on va. Là, ça a chargé. Là, ça charge. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok, incroyable, que je le tienne. Bon, comme tu veux. Oh, vas-y, t'inquiète, tu tiens beaucoup, mec. Vas-y, juste, laisse-moi pas. Oui. Non, les gars, c'est la folie. Là, il y a Zach qui tourne une vidéo. Non, non. L'endroit est fou, non, mais l'endroit est dingue. Mais après, les gars, à chaque fois, les gens ils disent. Ouais, ça fait partie du film Tokyo Drift. Moi, les gars, je vous avoue, j'ai jamais regardé un seul Fast and Furious de ma vie. Donc je. Ah ouais, non, déjà. Ah, tu dégustes. Ah non, ah ouais, putain, pétard. Oh là 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 là. Ouais, non, c'est la folie. Je me rends pas compte de la valeur de la voiture. Peut-être de la rareté ou je sais pas, mais les gars. Oh, putain. Ouais, non, l'intérieur et tout. C'est quoi comme modèle ça les mecs? Pour les connaisseurs de voitures. Eh les gars, ce stream, le stream là, il est pour tous les passionnés de véhicules. Là je le fais pour vous les mecs hein. Ah vraiment, je pense à vous, je le fais pour vous. D'ailleurs dédicace à mon ami Jess, parce que je sais qu'il paierait. Il pourrait me tuer pour être là. Il pourrait me tuer pour être là. Et dédicace à toi mec, je sais que tu kifferais. C'est la Prout mobile, ouais je pense aussi hein. Lamborghini Aventador, ok. Ok, d'accord, moi je vous avoue les gars, en voiture je suis pas du tout calé, mais elle est belle. Alors putain, le bleu comme ça là, je la touche pas évidemment. Mais le bleu comme ça. Ah non, ah c'est fort. Dites-moi, n'hésitez pas les gars, si vous voulez que je passe en détail certains trucs, si vous voulez que j'aille voir certaines choses, etc. C'est que c'est une folie hein. Déjà la couleur elle est trop trop belle. Putain, ouais, allez, la couleur est magnifique mec. Vous êtes accompagné par Louis sur le spot. Ouais, exactement. Ah mais c'est le frère. Et là Kezia, les mecs, il va bombarder de photos. Allez le suivre sur Instagram. Je mettrai son Instagram à la fin du live les mecs. Allez le suivre sur Instagram. Il va sortir des photos les gars. Va falloir être là hein. Attention. Ouais, je les jante. Mets ton sgeg sur le pot d'échappement. Ouais bah je suis en route là hein. Bon là la voiture. Genre ça manque pas de lumière là Kezia pour tes photos. Voilà, il y a Clash G aussi. Et en fait les gars, on m'a. Wesh, mais c'est la fin. Est-ce que vous avez entendu là? Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Mais c'est la folie. C'est. Eh gros, c'est la folie. Eh gros. Eh c'est la folie. L'ambiance elle. Tu veux quoi à boire? Envoie une bouteille d'eau s'il te plaît. J'allais chercher ça. Merci. Oh non, une Red Bull. Une bonne grosse Red Bull. Est-ce que je te prends pas les deux comme ça? Non, une Red Bull, t'inquiète. T'es sûr? Ouais, si merde. Non, là j'ai envie de tenir toute la nuit, mec. Putain, j'espère qu'on va pas se faire virer trop vite. Mais là, les gars, c'est incroyable. Il y a tellement de voitures, les gars, j'ai pas où donner de la tête. En vrai, petite Toyota comme ça, sympa aussi, hein. Tu vois, moi je me pose une question. Est-ce qu'on est plus impressionné en tant que novice ou en tant qu'expert? On s'émerveille devant un peu tout et n'importe quoi. Ouais, est-ce que les vrais passionnés d'automobile. Tu vois, il est vraiment émerveillé devant
des trucs qui en valent la peine, tu vois. Donc je sais pas trop si c'est mieux d'être expert ou non. Là, tu vois, clagé ici, parce qu'en fait, du coup, clagé, les gars, il faut savoir qu'en fait, il y a une espèce de douille au Japon, parce qu'il y en a absolument partout. Des clagés, les gars, je vous jure, il y en a. C'est comme si c'était des Clio au Japon. Et en fait, il y a une douille ici, c'est que déjà, il y a moins de taxes et tout, etc., que la France. Mais surtout, en fait, c'est souvent les chefs d'entreprise, etc., ceux qui ont une entreprise, qui ont ça. Parce que quand tu as une entreprise, une clagé est considérée comme un utilitaire. Cette voiture-là est considérée comme un utilitaire, ce qui fait que tu payes encore moins de charges et encore moins de taxes. Et c'est pour ça que tu en croises autant. Parce que vraiment, les gars, si un jour vous avez la chance d'aller à Tokyo, ou même pour ceux qui sont déjà allés à Tokyo, je vous jure que croiser un clagé, mais c'est genre vraiment banal. Ah, mais c'est la folie ici, putain. Attendez, on va visiter un peu. Mais là, j'espère que ça va pas bugger, j'espère que ça bug pas pour vous, j'espère que le son il est bon et les gars et tout. Franchement, je suis content de vous faire vivre ça. Je suis content de vous faire vivre ça, j'espère que vous kiffez et tout. On va être ensemble, je pense, pendant 2 heures, 3 heures. Non, c'est la folie. Tout est good. C'est impeccable, parfait alors. Non, regardez là. Après, tu vois, je me rends pas compte de la rareté des voitures. Même, tu vois, une voiture comme ça, moi, je la trouve tellement stylée, frère. Incroyable. Petite Nissan, là, comme ça. Ça, c'est quoi? Toyota. Ça, c'est quoi cette marque? C'est Subaru, non? Ça, c'est quoi cette marque? C'est Subaru, les mecs, si je dis pas de bêtises, non? Ah, elle est marrante. Ah, elle est marrante. J'avais pas vu que l'arrière était comme ça. On dirait limite un corbillard. Un corbillard tuning. Là, il y a même des mecs qui décapotent et tout, non? Non, franchement, putain. Attends, là, c'est quoi, ça? Ça, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi, la marque? Ah, j'arrive pas à voir la marque. Il n'y a pas la marque qui l'a retirée. Ça, je sais pas ce que c'est. Mais putain, elle est belle, hein. La couleur et tout. Ah non, ça tue. On va pouvoir monter dans des voitures aussi, les gars, et tout. Ça, c'est Toyota? Il a retiré le logo, c'est une Toyota, ça? Non, la couleur est belle, hein. Putain. Comme ça et tout. Oh là là. Ah non, c'est stylé, hein. C'est stylé, hein. Ah non, j'aime bien. Ah, tu vois, même ça, tu vois, il y a des gens, ils montrent un peu... tu vois, les moteurs et tout. Après, là, les gars, je vous avoue, c'est vraiment pour les experts. Ça se trouve, c'est un truc de fou qui est en face de moi, alors que pas du tout. Mais je pense que c'est juste pas un truc de fou, j'en sais rien. Envie de lancer Need for Speed Underground. Mais je te jure, mec, l'ambiance est tellement... Eh gros, c'est la folie. Attends, ils sont où? Je vais rejoindre les autres. Ah, il y a un mec connu, je crois. Ah non, je sais pas, il y a un mec connu, je crois. Oh là, il y a un truc. Attends, pourquoi ça se prend en photo et tout, là? C'est qui, la huisse? Ah non, il y a un gars connu, je crois. Je crois qu'il y a quelqu'un de connu. Moi, je crois que lui, il a le buzz. Je crois que lui, il a un buzz de fou. Je sais pas qui est ce monsieur, mais... Eh, je sais pas où donner de la tête. Plus de buzz que toi, bah, pas très dur. Ah ouais, regardez, cette voiture, elle est marrante. Qu'est-ce que c'est que ça? Pardon, excuse-moi. Qu'est-ce que c'est que cette voiture? Elle est marrante. C'est une petite caisse carrée, là. Ouais. Et les mecs font des prépas dessus, ça c'est marrant que lui et tout. Il a les sièges réglables, sièges baquets à l'intérieur, les prépas. Ouais. C'est des voitures qui sont faites normalement juste pour transporter. Ouais, ouais. Mais c'est les voitures un peu lambda du Japon, c'est d'habitude, ça. Ouais, ouais. Ouais, il a pimpé, quoi. Mecs, il est pimpé. T'as des mecs qui mettent des lustres dedans et tout. Des lustres? Ouais, ouais, il y a des lustres. Ouais, c'est la folie. C'était qui le gars qui vient de passer juste là? Tu sais, il était full filmé et tout, t'as pas vu? Je sais pas, mec, je pense que c'était des Polonais ou j'entendais qui parlaient, je sais pas du tout. Ah ouais? Il y avait le Grand Prix du Japon il y a genre un ou deux mois, je crois, ici. Et il y avait, c'était pas un des pilotes, mais c'était le troisième pilote de Alpine, je crois, qui était venu faire, il venait filmer ici. T'avais le mec qui jouait Han dans Fast and Furious aussi, qui est venu tourner un truc ici. Moi, je t'avoue, j'ai jamais regardé Fast and Furious. Jamais. J'en ai pas regardé un seul. Pour ceux qui... Bah là, dans le chat, il y en a, ils sont... Ils ont produit cette voiture-là dans le film. La RX-7 Velsite à la orange. Si tu filmes cette caisse-là, les gens vont reconnaître la orange. Et... Ok. Celle-là? Ouais, celle-là. Ok. Oh, elle est belle, hein.
putain. Non, celle-là, les jantes, même les jantes, elles sont tuées, tout putain. Il y en a deux là, comme ça, côte à côte. C'est la réplique, de, la réplique exacte de celle du film, en fait. Ok, d'accord. Ouais, c'est une voiture iconique du film. C'est ça, c'est vraiment une des bata. Celle-là, et t'as la GTR 34 bleue, là, celle qui est là-bas. Ok, là, d'accord. Ouais, celle-là, c'est vrai que ça fait pas ce que je veux. Ah, je sais pas, ça c'est une un peu similaire à celle que t'as, non? Non, celle-là, elle est belle, hein. Ah, elle est belle, hein. Putain. Ouais, je sais pas où donner de la tête, je vous jure, il y a des voitures partout, les mecs. C'est magnifique. Il y a un truc là-bas, je sais pas ce que c'est, je pense que c'est un camion et une panne avec un... T'as un truc de fête foraine. Où ça? Là, là, tu vois. Ah ouais, ouais, là où il y a l'affiche là. Ouais, je vais faire un tour de toute façon, je vais bien voir ça qui est parti où lui. Je crois que c'est parti chez la boire. Ah oui, mini, là, ouais. Et les... des bruits furtifs depuis tout à l'heure. Ouais, ouais, les mecs qui passent et juste derrière. Tu vois, en fait, on est sur une île, on est sur la partie. Là, c'est une aire d'autoroute en fait ici, tu vois. Ok. Et autour, t'as, c'est une île avec pas mal de. Comment dire? Des usines, c'est très industriel. Ouais. Et le soir, toutes les rues sont vides autour. Ah ouais? L'extérieur là. Ouais, ouais, c'est... T'as des grandes avenues, les mecs qui okay. Ont drifté. Ah ouais, c'est la folie, c'est fréquent ou quoi ça? Ici, de moins en moins, des mecs qui vont un peu plus loin maintenant. Okay. Ouais, mais tu nous l'avais pas dit déjà l'année dernière si, ça? Si, ouais, tu l'avais dit l'année dernière. Ça, mais tu vois, par exemple, tu regardes là, pour des escaliers, il y a pareil. Ouais. En fait, tu pouvais voir là, en bas. Ouais. Les mecs ouais. Ouais, ouais, ouais. C'était ouais, un ouais, peu ouais, spectacle, ouais. Tu vois, pour éviter que les mecs détriftent là, ils ont fait des barrières. Ok. Les mecs, il y a des îles à côté, les mecs ils vont. Okay, putain, c'est la folie. Des zones industrielles, tu vois. Ah non, c'est la folie, hein. Kezia, tes impressions? C'est une dinguerie. Tu fais des rassos en France un peu ou... Ah, t'as vu, bah là, il y a une Lambo juste là. Mmh. On l'avait même pas vu celle-là. Celle-là, on dirait vraiment que. Enfin, là, c'est quoi la référence de cette Lamborghini, les mecs? Une Lambo comme ça, là. Elle est pas un peu ancienne, celle-là? Voilà, pardon. Là, les gens qui filment et tout, non, ça tue. Non, c'est fort l'automobile, hein. Non, c'est fort, hein. Lui, il fait son... Sol. Comme ça, c'est... Une petite Porsche, là, comme ça, un peu à l'ancienne. Non, c'est beau, hein. De mon goût, Lambo, ça fait un peu naze à côté des classiques japonais. Mais d'ailleurs, demain, il y a aussi un autre rassemblement automobile où là, c'est que des voitures genre sportives et de luxe. Genre, je sais pas... Il y a Louis tout à l'heure, il nous a sorti une marque et Kezia il a fait mais non et tout. C'est quoi? C'est Koenigsegg, je crois ça s'appelle. Koenigsegg, des Lambo, des Ferrari, des trucs comme ça. C'est demain matin. Et Kezia il a entendu Koenigsegg, il a fait ouais c'est dingue et tout, incroyable. Alors moi je sais pas du tout ce que ça représente, tu vois, une Koenigsegg. Est-ce que c'est jure Koenig? Pitié stream. Ben, en fait les gars. Ah j'arrive. En fait les gars c'est que c'est demain à 9h du mat et pour vous ça va être une horaire horrible. Genre vraiment ça va être. Putain c'est quoi? C'est quoi l'arrière? Ah ouais. C'est une singerie, hein. Ah ouais putain. Hello. Hello sorry. Hello hello. Ah ouais putain. Hey, c'est incroyable frère. Putain ce merde. Eh non ils sont forts. Et moi j'en prends plein les miennes, je kiffe trop. C'est quoi ça? Même une petite voiture comme ça et tout, hein. Ça, c'est une Lotus, non? Je connais pas. La jaune, c'est une Lotus, je crois. Hein. Parce qu'il y en a quelques fois en France, et je crois que si, c'est Lotus. Mais Lotus, c'est pas... Non, je vais dire une connerie, donc je vais me taire. Mais je pensais que c'était même français. Ouais, comme ça, putain, on dira pas frotter le sol, mec. C'est de quelle nationalité les gars s'il vous plaît? Moi je pensais que c'était français mais pas du tout je pense. Je pense que je dis une connerie. C'est anglais d'accord. Putain ouais elle est belle hein. Bah les gars vous voulez que je stream demain matin? Mais pour vous c'est 2h du mat hein, je l'annonce hein. Pour vous c'est 2h du mat mais pour moi c'est 9h hein. Donc moi il y a aucun problème hein. Je peux le faire mais juste faut être là quoi. Putain, celle-là elle est particulière. Ouah, celle-là mon frère. Putain, peut-être il est avec sa meuf, je vais peut-être pas le filmer lui.
Non, c'est Ford l'automobile. C'est quoi ça? GTR. GTR, c'est quoi? C'est Nissan? C'est Nissan, je crois, GTR. Ben, je crois que c'est genre une des voitures les plus... une de leurs voitures les plus iconiques, non? Nissan GTR. Nissan, ouais. Nissan. T'en parlais pas, Kisa, tout à l'heure? Je faudrait lui montrer si tu l'as pas vu. Nissan GTR. Putain, elle est magnifique. Mais souvent, eux, leur GTR, elle est en bleu, je crois, non? C'est le cliché, je crois, non? Je sais pas, je raconte peut-être des conneries, les gars, je suis désolé, hein, je suis pas du tout expert automobile. C'est juste histoire de vous faire kiffer. Hein. Putain, regardez là avec le spot. Attendez, je vais vous mettre en 0,5 pour que vous puissiez. Le spot, les gars. Mais c'est la folie. C'est magnifique. Là, les gars, c'est un mood de fou malade. Bon, après, là, c'est que des camtars. Wesh! Le petit tuk-tuk là, comme ça. Avec les drapeaux et tout dans sa tuile. Et c'est tout le temps comme ça. Bah en fait là, là les gars, c'est qu'on est samedi. Il fait très beau à Tokyo. Je pense que de toute façon aussi en France il fait très beau. Il fait très chaud. Enfin il fait très chaud. Il fait chaud. Et du coup là c'est temps parfait, tu vois. Alors que l'année dernière on l'avait fait, il pleuvait. Il y avait 3 voitures. C'était pas la folie du siècle, tu vois. Mais là cette année c'est complètement différent. Et quelle heure chez vous? Il est 19h là, 19h30. Putain là tu as Nissan GTR. Non frère, c'est fort là, c'est fort les voitures. Hein. Putain c'est beau hein. Tapine un peu, mais si vous kiffez ça, regardez Initial D. Je connais pas du tout. Non c'est beau hein. Tu peux venir facilement en touriste? En vrai, je sais pas du tout, mec. Je sais pas du tout et j'ai pas envie de te raconter de bêtises ou de crack. Tu kiffes, Hugo? Alors, en fait, comme j'ai dit, tu vois, moi, genre, les voitures, j'ai pas de sensibilité particulière, mais je trouve ça trop trop bien, en vrai, de découvrir. Genre, l'an dernier, j'avais bien kiffé aussi. Donc, en vrai, non, c'est vraiment cool. Hein. Non, c'est beau. Putain, Joël, il manque que toi, mec. Il manque que toi, mon pote Joël. Oh, regardez. Là, il y a... Attends. Déjà magnifique. Ça, je sais pas ce que c'est comme marque, c'est pas affiché. Si quelqu'un peut m'éclairer. Moi, ce que je disais, tu vois, genre en tant que novice, je pense que tu t'émerveilles devant un peu tout. Donc, en vrai, c'est trop bien. T'étais un peu à Disneyland. Genre. Là, t'as vu la porte et la voiture là-bas avec la porte. Ouais, mais je trouve que les ouvertures comme ça ou les ouvertures papillons aussi, c'est trop trop bien. Ah, mais frère, là, c'est. Regardez ça. Regardez cette voiture, les mecs. Regardez celle-là. Ouais, c'est, beau, ouais, c'est la voiture Gentleman. C'est la voiture M8. C'est une voiture américaine, ça, non? Eh non, eh gros, attends, je vais voir si je peux activer le flash. Attendez, j'ai activé le flash. Non, ça tue, frère. Ouais, c'est une Dodge, je crois. Regardez là, avec les roues. Non, frère. Non, c'est beau. L'automobile, c'est fort. Hello. It's okay to... Ah ok, sorry. Ok, nice car, beautiful. Ah ouais, non, comme assez. Vous voulez que je vous montre quoi? Montre la Supra rouge, c'est quoi? C'est ça? C'est ça les gars que vous voulez que je vous montre? Vous voulez que je vous montre ça? Ok, là avec des jantes. Là, les belles jambes, putain. Oh, t'inquiète, je flash. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur, mais... faut lui demander. Comme ça, je vais lui demander. Je pense que tout est possible, les mecs. Là, je vais montrer devant, déjà. Ça, c'est une voiture iconique, ça, les gars? Ah ouais. Putain. En vrai, vous voulez que je demande, les gars? Vous voulez que je vous demande pour l'intérieur? La plus iconique? Ah ouais. Hello, ils sont là? Ok, is possible just to film inside? Non? Non. Ok, no problem. Thank you. Ah, il a dit non.
il a dit non, il veut pas qu'on filme l'intérieur. Il veut pas qu'on filme l'intérieur. Il a dit non. Pourquoi il veut pas? Bah je sais pas pourquoi il veut pas, hein. Peut-être qu'il veut juste celle-là à tuer, frère. Ah ouais, non. Ouais, j'arrive. Moi j'ai Yass. Salut. Ça va? Tranquille. Tranquille. Je suis en stream, désolé. Ça va, tranquille. Vous kiffez les gars? Vous êtes passionné de voiture, vous? Bah ouais. Ça vous dérange pas de passer à la caméra? Qui fait les voitures? Ouais. Putain, c'est incroyable, c'est la première fois pour nous. On est venu hier, après on est venu aujourd'hui. Ah, ok, non, c'est incroyable. De toute façon, nous on est avec un gars, il s'appelle Louis. Et il a dit aujourd'hui, c'est incroyable. Il a dit aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud, c'est incroyable. Et tout juste, apparemment, les keufs vont peut-être arriver dans une heure. Ils arrivent quand ils veulent. Hein? Ils arrivent quand ils veulent, ils virent tout le monde. Ouais. Ouais. Vous êtes déjà venu ici? Non, c'est la première fois. Ah, les gars, vous êtes. Ah, première fois? Vous kiffez? Ouais, vous avez fait que Tokyo ou pas? On a fait Tokyo, Fuji, on arrive à Tokyo. Ok. Demain, on va à Kyoto. Ok. Et après, Osaka. Ça fait combien de temps vous êtes là? On est là depuis le 4 mai. Ah ouais, ok. Lourd. Et vous repartez quand? Le 21. Ah, ça va, bossez jour. Ouais, les gars, je vais pas vous déranger plus longtemps. Vas-y, hein. Allez, profitez bien, les gars. Vas-y, salut, vas-y. Salut. Merci. Sa vie, frère. Oh wesh, celle-là. Alors là les gars, celle-là, alors, je sais pas ce que c'est comme Gamos, mais putain de merde, t'es mal pot d'échappement, mec. Mais mate-moi ça, mec, c'est quoi ça? Mais vous êtes fous, les l'automobile là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette voiture, les mecs? Il y a écrit un truc en bas, mais c'est... Oh, à l'envers, c'est Celica. Non, désolé. Ah, elle est penchée. Carrément. Tiens, elle est en mode à l'américaine, là. Elle est pas droite, ouais. La voiture. Mais c'est la folie. C'est la folie, mec. Regarde, t'es mal les roues, mec. Mate-moi les roues, mec. Ah non, ils sont forts. T'as vu c'était quoi la marque? Ouais. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est Toyota. Tu vois, il y a écrit Toyota. Ah, ouais. Putain, là avec les... Moi je kiffe les phares comme ça, ouais, mec. Ouais, ouais. C'est incroyable, c'est magnifique, putain. Non, putain, c'est fort. Juste, je vais rejoindre Zach. Tu sais où il est ou pas? Je sais pas. Je pense que c'est proche de là-bas vu qu'il a été acheté. On va rejoindre Zach vite fait. Feu de Mustang, j'en sais rien, les gars. Oh là, même la voiture qui est là. Non, mais frère, je sais pas comment lui donner de la tête, mon frère. C'est quoi cette toute petite voiture, la proute mobile là? Aïe, aïe, aïe. Théma, c'est quoi cette voiture là? C'est quoi cette proute mobile? Elle est toute petite. Ah ouais, par contre, sa vie, ouais. Le volant et tout, putain. C'est quoi comme marque ça? Je sais pas ce que c'est. Ah, et la plaque et tout, non, c'est beau. Écrit quoi? They've no failed. Je crois. I've just found 10,000 wangs that when I work. Thomas Edison, j'ai rien compris. Mais bon, la voiture à côté, frère, c'est la folie. Par contre, il y a trop de monde, c'est que ça doit être une voiture un peu qui a du buzz. Attends, je suis juste Zach. Ouais, je sais ce qu'il a dit, vous êtes où? Attends, je sais de voir. Ah ouais? Bah dis-lui là. En vrai, on est à peu près centré, tu vois, on est à peu près en plein milieu, donc mais là, je sais pas c'est qui les gens qui sont là, mais c'est quelqu'un qui ont du buzz, hein. Parce que depuis tout à l'heure, c'est grosse caméra, deux grosses caméras, etc. Non, force à lui. Si on voit un mec avec un bonnet un peu minable, bah on sait que c'est Zach vu que c'est le seul. Bordel, non, en plus là le soleil il s'est couché et tout, c'est incroyable.
plaque française. Attends, quoi, de quoi une Clio? Oh, il y a une Clio. Ah bah ouais. Bah là, c'est une Clio. Putain, j'avais même pas capté. Wesh, mais c'est... Ah ouais. Eh, on est... Ah, il y a une plaque française. Théma, c'est une plaque française. Trop drôle. Ah ouais, putain. Là, c'est une plaque française, par contre, c'est volant de l'autre côté. Ouais, volant de l'autre côté. Wesh, les BG, ça ou quoi, Joël? Il manque que toi, tonton. Mais c'est pas la voiture à GameX13, ça. GameX13, il a pas cette voiture. Il a pas une Renault édition sport ou je sais pas quoi. Attends, je vais mettre le flash. Ouais, je pensais pas voir une plaque française ici. Putain, non, ça tue, hein. Non, ça tue, ça tue. Comment c'est possible qu'une plaque française ait atterri ici, mec? Le Big Joël, vraiment. Ça c'est quoi du coup? C'est pas une Clio ça les mecs? C'est quoi? C'est pas la même? C'est une Mégane ça? Ou alors c'est l'inverse? La noire c'était une Mégane et ça une Clio? Ok. Putain, c'est fort. Non, c'est fort l'automobile, c'est fort. Quand j'étais là, on faisait de la randonnée. Mais tonton, on t'a dit de rester. On t'a dit de rester, t'as pas voulu. Tu préfères faire des stories tendancieuses. Ou t'affiches à moitié ton sgeg avec des stickers BMS, mec. T'as fait ton choix. Hein. C'est pas de notre faute. Hein. Ah, c'est la voiture de tout à l'heure, ça. Mais par contre, Zach Nani, on l'a perdu. Hein. Il répond pas. Ah ouais, ouais, fais chier, putain. Merde, parce que moi j'ai besoin de Zach, j'ai soif là. C'est quoi ça comme voiture? C'est pas une Hyundai, ça. Ah, celle-ci là? Celle-là, bah je crois que je l'ai déjà vu tout à l'heure, non? C'est pas une Toyota Nissan? Ouais. Oh, lui, par coup de force, oui, là, ouais, vraiment la prout mobile originelle. Mais attends, elle est tunée en plus, c'est ça le pire. Mais c'est quoi cette prout mobile? Hello! Juste après avoir vraiment taillé sa choc, t'es vraiment... Ouais, enfin, respect, sa voiture a fait putain de pitié. Mais je crois qu'elle est modifiée, non? Mais attends, mais on dirait, tu sais, les vieilles voitures Renault à l'ancienne, là. C'est quoi ce... cette merguez? Trop drôle. Putain, là, c'est bon. Je vais taquer Kezia, je vais rouler. Ah non, c'est bon. Putain, tu t'as Kezia? Ouais. Ça doit être fun si c'est un peu du... Bah ouais, j'en doute pas. Hein. Moi, je respecte totalement. Y a aucun souci. Moi, je vais pas faire la morale. De toute façon, avec ma vieille 207 minable avec laquelle j'ai fait un joint de culasse, bon. Voilà, hein. Là, on en prend plein les mirettes, on est content. Juste là, le but, c'est de retrouver Zach Nani et Kezia. Parce que là, je vous avoue, depuis tout à l'heure, ils sont peut-être près du Family Mart, non? Ils sont peut-être là, au Lawson, non? Vas-y, on va voir. Qui est sous japonaise ici dans le chat? Tu parles de quel domaine? Parce qu'il y a plusieurs domaines. Putain, même la voiture qui est là, mec, elle est belle. Hein. Putain, je vais la filmer, juste deux secondes. Bon, regarde, même celle-là qui arrive. T'as vu celle-là qui arrive? Avec la plaque est ouverte. Mais c'est vraiment un corbillard, mec. Mais elle touche limite le sol. Aïe, hello. Ah, il a ramené son gosse et tout. Non, c'est... Ah, c'est bien. En termes de proximité avec le sol, genre on se parle de ça. Hein. Bah oui, frère. Attends, il y a une voiture qui fait du... Ah ouais, c'est la blanche, c'est celle-là. Putain, non, c'est la folie, frère. Même celle-là. Attends, mais déjà, je voulais montrer celle-là avant. C'est là, du coup, c'est une GTR aussi, non? Si je ne m'abuse. Si je commence à m'y connaître en voiture. Ah non. Skyline, c'est GTR, on est bien d'accord. Skyline GTR. Ah non, GT. Bon, bah, je m'y connais toujours pas en voiture. Alors. Putain, même comme ça, les... Putain, c'est beau, hein, les LED en bas et tout. Les LED, on est d'accord que les LED,
comme ça, les gars, en France, c'est totalement interdit. Putain, ça rajoute trop de flow, frère, c'est incroyable, c'est magnifique. Je sais pas si tu l'as montré à ton chat, mais ne fais pas rire là, par ici. Hein. La là, rouge là, là. Ouais, la rouge, putain, ouais. Non, vraiment, juste. Non, justice, hein. Putain. T'as loupé quoi? En vrai, pas grand chose, le stream vient de débuter, mec. Ça, c'est quoi? Ok, je connais la marque. Ça, c'est une Corvette, mec. Le logo, je crois que c'est Corvette. Si je dis pas de bêtises. J'ai joué à Forza Motorsport, mec. Je connais mon automobile, gros. Bah oui, gros. Combien de chevaux allez, à l'œil. Ouais, Corvette là, à l'œil nu. Oh, petit 600 ouais, chevaux sous le capot. Chevaux, ouais. Moteur V12. Ouais, turbo, non? Ouais, turbo, ouais, Jean Talus. Oui. Putain, même l'intérieur, il est magnifique et tout. Ah, tu vois, 600 chevaux, j'avais raison, mec. C'est vrai? 650 chevaux, mec. C'est 600... dans le chat ou c'est. Bah, ils disent dans le chat 630 chevaux. Je suis abattu. Non, bah, vraiment ça pour ça trouve de l'aide dans la truc là. Oh le moteur, t'es enfin, je sais pas si c'est le moteur ou. Frère, c'est la folie. J'imagine que oui. On est vraiment les deux pires experts auto qui sont en train de monter des moteurs. Mais vraiment. T'es obligatoire, mec, n'oublie pas. Bah bien sûr. Putain, le pot d'échappement, mec. Là, Eva Jolie, elle voit ça, mec. Comment s'appelle l'autre de Europe Écologie Les Verts là. Même elle a un compte parodique, Sandrine Rousseau, elle voit ça, mec, elle fait ban mon stream, mon pote. Je te le dis. Putain. Et le volant, il est à gauche. Ah oui, et le volant est à gauche. Putain, c'est beau, magnifique. Petite voiture aussi, on dirait la voiture de Retour vers le futur, celle-là. Merci pour les subs, les gars. Désolé, je vois pas les noms, mais je vois le compteur qui monte. Merci pour les subs. N'hésitez pas à sub si vous avez un abonnement Prime, d'ailleurs, les gars. Demain, d'ailleurs, les gars, je respecte ma parole, hein. C'est le manège. Demain, c'est le manège, les mecs. Demain, Tokyo 2. Ah, les gars. C'est la plus grosse. Non, c'est fort. Vu que t'es à l'intérieur de la voiture, je me rendais pas compte à quel point la voiture dans laquelle on était, nous, elle faisait du bruit. Bah tu ouais. Vois. Oh, t'es en haut. Là, je crois que ça arrive, ça. Attends, faut aller devant. Attends, mec, parce que là, je crois que ça arrive fort. Là, faut pas louper ce moment, mec. Parce qu'ils étaient en train de descendre. Donc, je crois qu'ils arrivent, hein. Tu vois, lui, là, attends. Putain, cette voiture, frère, c'est n'importe quoi. Il veut pas qu'on filme l'intérieur. Enfin, je crois que c'était lui tout à l'heure. T'es ma, mec. Gros, mais tes mains, ça brille. Mais c'est une folie. Mec, c'est clinique, on dirait, genre. Putain. Justice, est fort, hein. Non, vraiment, justice. Justice, hein. Bah, je crois qu'ils viennent pas, les... 28 clics, alors. Toi, il y a des Français aussi. Ouais, c'est des Français. Ouais. Ah, ils faisaient un clip. Ah, je sais pas. Ah, s'ils viennent, je crois. Ou je sais pas. Non. C'est bizarre parce que vu qu'ils descendaient et tout, je me suis dit peut-être. T'as pas de nouvelles de Kezia? Je vais leur dire, on se retrouve devant le Lawson. Vas-y. La Porsche R ou. Attends, la Porsche quoi? RWB, elle est où? C'est ça là? C'est ça? C'est une Porsche, donc oh, oh putain, t'es mal cam. Ah non. Le camtar aussi, les tuniques. Mais wesh, mais c'est quoi ça, frère? Mais frère, mais t'es mal les camtar. T'es mal ce qui arrive. Mais frère, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Wesh, mais c'est quoi? Il a un lustre dans son camion, mec. Non, frère, là c'est trop le turfu. Oh putain. Mais ouais, frère. Mais là c'est les Transformers, hein.
c'est vraiment les Transformers. C'est magnifique, putain. C'est n'importe quoi, mais t'es mal tuk tuk. Qu'est-ce que c'est que ça, gros? Qu'est-ce que c'est que ça, gros? Ah, c'est magnifique, mon frère. Incroyable. Ah bah, t'as vu ce qui arrive là? Oh, les captars. Ah ouais, t'as vu les captars? C'est rarissime. Il a dit c'est hyper rare. Ah ouais? Qui viennent ici, ils ont leur squad. Ouais, bien sûr. Putain, ça tue. Putain, c'est une folie. Hein. Il a dit, il les avait vus qu'une fois. Oh là là, il y a un rassemblement. Après, c'est à la campagne ici. Voilà, regardez. Pourquoi il y a un rassemblement? Qu'est-ce qui se passe? Bah, ils vont tous voir les camions. Ah. Kezia, tu dois kiffer, mon gars. Kezia, elle est comme un enfant. Le nombre de photos qui vont sortir après ça, va falloir être là. Ah, va falloir être là. Hein. En vrai, faut attendre que Kezia m'a éclairé. Faut savoir si les flics vont arriver ou pas. Est-ce qu'on a passé les 19h30 ou pas? Il est 19h20. 23. Là, il y en a un qui regarde à la fenêtre. Ouais, s'ils sortent pas, s'ils sortent pas, mais je vois que les voitures sont allumées et tout, donc je pense qu'à 30 ils vont nous dégager. Mais c'est pas grave, on se posera. Oh là là là. Ah ouais, non. Ça, vraiment, regardez ça. Des fois, t'en vois. Regardez ça, les camtars. Ouais, non, les camions, ça fouille. C'est vraiment les Transformers, gros. C'est incroyable. Oh, it's too soon, Mr. Prime. Putain, c'est impressionnant, mec. Peut-être pas trop. Tu vas voir les dégâts des mecs, c'est. Mais il y avait un mec dans son camion, il avait un lustre. Ils sont moins gentils. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils ont un délire avec les lustres. Ouais, ouais, ouais. C'est un fou, les gars. Vas-y, vas-y, vas-y. Chaque chasse de ton témoin, il est pas. Thank you. Oh là 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 là. T'es ma mec, le captar. Mais c'est quoi ce truc, mec? Mais chante. T'es ma mec, comment ça brille, gros? Salut. Regardez comment ça brille, c'est un délire, gros. Non, c'est un délire, gros. Ça brille et tout. C'est vraiment un. On est face à un putain de Transformers, mec. Qu'est-ce que c'est que ce délire, gros? J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est la folie, mec. Putain, c'est beau, hein. Eh, gros, là, c'est du vrai camtar de compète, ça. Putain, les klaxons, là. Ça, c'est les klaxons, ça. Dedans et part avec. Ouais, ben je suis en train là. T'as des camions un peu moins flashy. Non, regarde-moi ça. Oh, le devant, mec, il est somptueux, putain. Non, frère. T'es massa, mec, qu'est-ce que c'est que ce truc? Gros, mais c'est fabuleux, mec, je sais pas combien coûte ce genre de transformation, etc. Ce genre de pimpage aux petits oignons. Attends, mais c'est le pommeau de vitesse, ça? Là, ce que je suis en train de voir en face de moi, c'est le truc pour changer de vitesse. Non. Mais mec, c'est un bar à chicha, son camion. Arrête de forcer, y'a rien de fou. Mais toi, au pire, tu veux pas retourner voir dans ta 205 minable et arrêter de casser les couilles? Tu veux pas arrêter de casser les couilles aux gens? Si t'es pas content, tu te casses, connard. Y'a pas un modo qui veut le ban. Même si je vois un caillou que je trouve incroyable, je le trouve incroyable. Et je t'encule. On est d'accord au moins comme ça ou pas? Frère, ça y est, il va pas niquer mon délire. Je suis à l'autre bout du monde, il me dit ouais, c'est nul. Bah, va te faire enculer, gros, j'en ai rien à foutre. Il est fou, lui ou quoi? Frère, ça y est, on n'en peut plus des aigris. De toute façon, les aigris, on peut leur montrer un dragon qui fait un salto et qui a du feu, qui crache du feu, ou dire ouais, non, c'est pas ouf. Ben gros, c'est bon, retourne dans ta vie, arrête de faire chier. Putain, les roues, mec.
Magnifique ma biche. Oh là 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 là. Non, nique les gris au bout d'un an, ça y est, c'est plus à la mode d'être aigri les mecs. Hein. Putain, dommage, je vous ai pas montré ça. Par contre, Zach, il avait marré de boule. Ah non, mais là même, tu l'as rangé, mec. T'énerve pas, pense à Inox, non. Mais déjà, je respire un peu trop pour Inox, faut que je me calme là. Putain, non. T'es ma ça, mec. Gros, il a un lustre. Le camion, il est full lustré, gros. C'est ouf. Je pense qu'il y a... Je sais pas quelle heure il est là. Ouais, je pense que voilà, là il est plus pouvoir arriver. Il y a des sortes d'oreilles à l'avant de la cabine. Comment ça? Des sortes d'oreilles? Tu parles de ça là? Tu parles de ces deux petites choses là? Pour le style, je pense. Ah. Ça a gueulé là dans les haut-parleurs, peut-être c'est en mode on est viré, non? On dégage pas maintenant, ils dégageront à 8h. Ça veut dire cassez-vous, je crois. Bah apparemment, non, parce que la vie, ils ne dégagent pas encore. Ouais. Kézia, t'en vas un petit peu. Oh le baril. Ouais, t'as vu ce qu'il m'a acheté, Zach, un gros baril. Attends, mais ça c'est quoi? C'est combien? C'est rien. C'est 473 de baril. Wesh. Un baril de Red Bull. Oui, bah. C'est Paris. C'est quand le moment conduite. On va là, Louis, il est en train de voir, c'est juste que là, on va se faire peine. Mais non, mais... La gourde du bras, je te jure. La lune, elle est magnifique, je crois. Ah ouais. Il va pas bien aussi. Non, mais là, le spot, mec, il est exceptionnel. Ah, j'allais dire, ouais, c'est ce que tu mets. Hugo, tu peux me tenir la cam? Enfin, est-ce que tu peux tenir la cam? Je crois que je fume, ça ne va pas. Attaque quoi? Tu fumes? Ah, vas-y, vas-y. Ok, vas-y, je prends la batte. Pour moi, t'es fini. T'es un chef, chef. En termes de qualité VHS. I know, bro. Non, ouais. Tu leur as montré ceux là-bas ou pas? Ouais, non, on va les checker en même temps. Alors, pendant qu'Yas est en train de fumer, on va aller voir ces camions là, je pense que vous les avez déjà montrés, mais. Pour le coup c'est ce qu'il disait, genre c'est un peu kitsch, mais c'est vraiment exceptionnel. Monte sur le camion pour voir, franchement. De ce que nous disait Louis, les camionneurs, c'est des mecs qui peuvent des fois traîner dans des trucs bizarres, je vous jure qu'on prendra pas le risque. C'est Cars à mes yeux, mais franchement, moi pour le coup, je suis vraiment aussi gros novice en la matière, ce qui fait que dès là, tu regardes un peu tout, tu comprends pas grand chose, mais c'est la folie, genre juste visuellement, c'est trop lourd. Ça va, bah écoutez, ça va très bien, vous. Je sais pas pour ceux qui se rappellent l'an dernier qui était là sur le stream de Yas ou même qui avait regardé le vlog. C'était tellement vide l'an dernier par rapport à maintenant où là c'est full de fou, que ça soit en termes de voitures ou même de gens qui viennent juste regarder. Ah oui chef, tes haut-parleurs ils marchent bien hein. Ah oui. Moi je vais rejoindre les gars. Ah oui, les haut-parleurs du frérot là, ça fonctionne bien hein. C'est pas bien, je suis en train de fumer, faites pas ça les jeunes, c'est pas bien. C'est pour ça qu'on tourne pas à la cam, tocard. On dirait la fête foraine, mais en fait ça fait un peu ce truc là d'effectivement full lumière dans tous les sens, c'est un peu ce truc là. Ouais. Là tu vois ça commence à se vider parce qu'il y a les keufs. C'est tous les samedis, bah en tout cas de ce que a priori c'est quand même assez fréquent, mais simplement la présence des camions déjà elle est très rare. Oh bah là-bas il y en a d'autres, les capteurs. Oh bien vu, exactement. Mais ouais, la présence des camions elle est assez rare, et mais le samedi ça semble être un moment où forcément c'est la plupart des gens sont de sortie, donc je pense que c'est une des fois où il y a le plus de trucs. Ouais. Quand il y avait Baki, il est venu à Daikoku. Il y avait des Lamborghini, ouais. La folie. Je sais pas si vous avez vu les stories de Baki à ce moment-là, mais des grosses lambeaux, des lumières de partout, impressionnant et tout. Et apparemment, ça arrive vraiment qu'une ou deux fois dans une année, donc il a vraiment eu beaucoup de chance. Bah tu vois, Louis l'a dit, c'est que la deuxième fois qu'il les voit, je crois. Ah ouais? Ouais, ouais, c'est que la deuxième fois qu'il les voit, alors que pour le coup, tu vois, il fait littéralement des activités autour de ça. Attends, merde. Oh, putain, toi, tu peux juste démêler le bail, s'il te plaît, rapidement. Ouais. En fait, ça tire sur sur le téléphone et du coup ça penche. Merci beaucoup. Non, ça c'est bon, merci. Le spot qui est là incroyable. Parce que lui il a une ligne, mon ami. Quoi? Le mec avec un lambeau là, il va partir, ça va faire un trap. Il mesure combien, Kézia? Kézia, je sais pas, 1m75, un truc comme ça.
Donc ici il est comme un gosse, c'est comme s'il était à Disneyland là. Vraiment. Ah ça c'est la voiture qu'on a vue tout à l'heure là. Ah ouais. Il a une ligne dessus, tu vas l'entendre je pense. Là tu penses que eux ils vont dans le spot d'après ou eux ils pillent bagage? En vrai tu sais jamais trop. Mais en règle générale, t'as plusieurs spots sur Tokyo. T'en as un là où on va aller qui est un peu dans la baie de Tokyo. Et en fait la plupart du temps les gens ils vont dans le spot de la baie quand ils ferment ici. Quand ils ferment ici ça veut dire qu'en règle générale sur Tokyo ils cassent les couilles et ils ferment un peu partout. Du coup le spot de la baie c'est un peu c'est un spot. Ok d'accord. Tu vois et tu sais qu'il n'y a pas de filles. Mais tu vois 1m75 vous faites tous 2 mètres. Bah Joël est très grand, je suis très grand, Zach est plutôt grand. Yas, bon bah je vous fais pas un dessin, hein. Il est très court sur pattes. Mais court sur pattes, ma taille. Non t'inquiète. Il fait des vidéos lui, bah en fait je pense que c'est aussi pour son activité Airbnb tu vois qui perd qui prend un peu des ressources vidéo pour son Insta et ou autre. Ouais, dans la description de la vidéo ouais exactement. Ceux qui sont à Tokyo et qui veulent s'envoyer avec lui, exactement. Il y aura le lien de vidéo dans la description. Il y a 1m69 comme le roi mais ici tu es 1m69 non, non je fais 1m76. Ouais c'est ça ouais t'es un peu plus grand. C'est juste que toi t'es grand, Zach est grand. Ouais Joël est grand. Joël est grand, tout le monde est grand en fait. Il est quelle heure chez vous? Il est genre 20h là je crois. Ouais, il va être 20h. Ouais. Ouais, quasiment. Bah en fait, c'est pas compliqué à rajouter plus 7. Ouais, c'est plus 7h. C'est une taille symptomatique. Franchement, par pitié, arrêtez ce pressing autour de ce terme là. Je vous jure que dans le moment où je l'ai dit, ça faisait sens. Mais pas du tout. Mais ta gueule. Ta gueule. Putain, la lampe, c'était énorme, je crois que c'était là-bas. Je suis passé par Louis et Nicolas, c'était vraiment de la frappe. Ouais, franchement, c'est lourd. Bah, l'an dernier, on était avec lui aussi et c'est le roi. Le pauvre Joël qui rate ce poulet. Ouais, c'est vrai que Joël, bah, Joël franchement, il a raté Joël, le 5 d'hier. Exactement, le 5, le drift. Après, ouais. Bon, demain, Tokyo Dome, il va pas le faire dans tous les cas. Ouais. Enfin, il l'aurait pas fait. Et moi, j'aimerais pas le faire, mais bon, j'ai pas eu le choix, disons. Ya, c'est tellement obligatoire, c'est fou. Franchement, vous sentez pas obligé, il vous donnera pas d'argent pour dire ça. Hein. Ah, vraiment pas, mais après, tu sais, les humains peuvent avoir un ressenti et se dire juste que je suis beau. Hein. Il est jamais dans les dires non mais après bon Joël il avait aussi des raisons de rentrer en France et c'est compréhensible tu vois, il avait certaines choses à faire c'est normal. Là c'est facultatif, je suis totalement d'accord avec ça. Il va y avoir du bruit un peu je pense, on va avancer. Vous venez le louper ? Elle s'allume. Elle s'allume ça veut dire quoi elle s'allume ? Il y avait des lettres partout, ça clignotait partout. Ah ouais, il veut pas la redémarrer ? Oh là 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 ! T'es mal. Celle-là, moi je l'aime bien, celle-là, ouais. Elle est belle. Moi aussi je suis beau, mais ça c'est un autre débat. Moi je kiffe le moment là. Les mecs, je me demande combien à l'année ils mettent dans leur voiture parce que ça doit coûter. En termes de tuning ou en termes d'essence? Les deux en vrai. Hein. Les deux mecs, ça doit coûter de ouf. Une fortune gros d'entretenir une voiture parce qu'en plus c'est pas comme si elles étaient cabossées non, quoi. De ouf. C'est vraiment un état. Et tu vois que ça soit ne serait-ce que l'extérieur avec l'esthétique, même l'intérieur, tu vois, genre toutes les pièces qui vont s'abîmer ou autre à force de rouler. Je me demande vraiment combien ça coûte un entretien à l'année pour une voiture. Putain, c'est pas ma 207 pourrie. Hein. Dès qu'on dit c'était une Altitza, je sais pas. Franchement, c'est pas à Yas ou moi qu'il faut demander pour. Altitza, je sais pas comment ça se passe. Ouais bah du coup peut-être qu'il venait de tourner si c'était ça qui venait de passer. Ah ouais bah il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a plein ici. Bon ouais Yas c'est bon pour pas vous répondre mais Louis sera plus à même de le faire déjà. C'est la bête. Rétro comme ça. Enfin je dis rétro. J'en sais rien. J'en sais rien ancienne. Mais t'inquiète dis des mots au hasard dans. Elle est ancienne j'aime bien. Ça fera sens. Elle est ancienne j'aime bien. C'est quoi ça? Ça c'est une voiture. Ouais c'est utile. Ma Clio 2 les manches. Oui bah celle de Yas aussi hein. Ah bah ouais ça doit être.
putain, non, c'est beau. Ouais, je pense qu'on va pas tarder à la voiture. On va aller couper sur notre spot. C'est pas les rassos en France, ça. Ah, tiens, Louis, t'avais fait beaucoup de rassos toi en France avant ou pas? Moi, je faisais un peu Paris-Nord quand j'étais petit. Et en vrai, en termes de dimension, c'est quand même cool ou genre ça n'a vraiment rien à voir en avec ce qu'il y a ici? Je pense déjà c'est plus petit. En fait, le truc en France, en tout cas à Paris-Nord, après peut-être qu'il y avait des gens qui diront autre chose, mais c'était genre une fois, tu sais. De temps en temps, tu vois. Ouais, ouais, là, okay. Alors que là, c'est vraiment hyper fréquent où t'as vraiment des gros rassemblements. Ouais, tu vois, en fait, le week-end, c'est quasiment tout le temps aussi plein. Après, là, vraiment, les camions, c'est particulier, tu vois. Mais tu viens tous les samedis, c'est comme ça. Le dimanche, c'est blindé. Tant qu'il fait beau, tu vois. Là où en France. Je pensais que c'était une voiture. Là où en France, ça va être vraiment. Ouais, ouais, je comprends. Ah, ouais, il y a un qui est derrière. Attends, fais voir, qu'est-ce que tu veux montrer. Ça en gros c'est la voiture que bah, vous avez vu tout à l'heure mais qui s'allumait lorsque lorsqu'elle a démarré. Il est parti ou pas? Oui, là, il est derrière. Mais là, il faut demander de refaire, non? Tu sais que tu penses? Elle a Au Jap c'est une vraie culture, ouais bah clairement, clairement. Non, en France aussi, hein. Je suis pas en train de dire attention, il y a une vraie culture en France aussi. Ok. Mais en tout cas, moi de là où j'allais, c'était une fois vraiment de temps en temps. Ouais. Donc bon, tu peux avoir des choses de cette ampleur là, mais de manière très occasionnelle et limite prévue en amont, tout le monde savait que c'était à cette date. Et après nous t'as beaucoup la culture du run et tout en France aussi, tu vois. Ici aussi il y a des spots. Bah là après on va aller sur d'autres. Après il est tôt tu vois, mais en pleine nuit aussi tu vois, il y a des mecs qui font ça ici. T'as un périph là comme j'ai dit tout à l'heure où les mecs ils roulent comme des cordes. Il va allumer le truc. Ah il va allumer là. Ouais. Tiens, vous allez pouvoir voir ce que Kezia a pris en photo. Elle va faire un bruit de fou. On dirait pas les enceintes dans les fêtes urbaines, c'est dinguerie quoi ça, dans tous les sens. Exactement, clavier mécanique, aïe aïe aïe. Elle a touché le sol la voiture. Ouais. Vraiment si vous voulez voir la distance avec le sol, c'est oula, on va. C'est une singerie hein. Comme tu veux, hein, tu peux hein. Tiens, on va faire un échange. Tu me donnes vraiment une canette vide? Oui. Ouais, dans l'échange, je suis méga perdant en fait, je suis... Hop là. Et merci. Ah oui, c'est vraiment un bien procédé là. Oui, non, pas du tout. Sur un stream de GMK, c'est aberrant, frérot. Après, j'ai pas les mots parce que déjà, je m'y connais pas du tout. Mais surtout, c'est hyper beau, c'est impressionnant de voir ça, putain de merde. Ah, il a éteint. Ouais putain sa vie hein. Ouais je pensais qu'il allait démarrer mais pas encore. Ouais. J'ai pas l'heure du tout moi sur mon portable, je sais pas regarder. 7h44 c'est ce qu'on va faire. On peut attendre genre jusqu'à 8h. S'il nous dégage pas à 8h on part et s'il nous dégage à 8h on part aussi, mais comme ça on part tous en même temps tu vois. Ok vas-y. Comme ça on arrive au prochain spot et il y a déjà tout le monde. Ok vas-y vas-y. Il nous reste 15 petites minutes, après peut-être ça fait long pour. Ok non t'inquiète carré. On va aller remarcher là-bas, il y a peut-être. Ouais vas-y. Mais le truc c'est qu'ici il y a de l'action entre guillemets parce que c'est là où les voitures. D'ici que les voitures partent, tu vois. Ouais. Là-bas, c'est plus statique. Là, t'es pas à l'abri, tu vois, qu'il y a un mec qui se met en travers ou qui fasse un truc un peu cool en sortant. Ok. Putain, c'est impressionnant, un bordel. Hey,
comme ça là. T'as moins de monde, mais même en semaine tu fais. Ah ouais, même genre par exemple un jeudi, un mardi. Ah ouais. Moi je fais des tours mardi, le jeudi aussi, tu vois. Ok. Et t'as des jours, par exemple le mardi, le mercredi les garages sont fermés, donc le mardi c'est plus des. Ok. Des voitures un peu moins chères, mais ultra préparées. Tu ok. Vois, chaque jour. Hein. Oh là. Alors là. Ah ouais, non lui. Ah non lui. Tout ça mon gars. Et là du coup aussi il y a plein de gens un peu comme moi qui viennent, ils filment, ils ont leur caméra, ils ont leur spot. Oui bon on a vu un bzès, bon Twitch c'est pas moi, hein. Vous êtes vous allez pas être aussi con que ça Twitch, vous allez pas me battre pour un bzès hein, s'il vous plaît, c'est pas de ma faute. Ah ouais, là, vous voyez les camions là les gars. Là tu vois là, et là ça y est. Oh là là. Oh là là. Non. Ah merde. Ah, attendez le stab. Le stab il déconne un peu les gars, je vous remets droit. Je vous remets droit. Ah bah mon stab ne s'allume plus, what the fuck. Ok c'est bon, alors lui, non lui faut qu'il prouve. Ah non il va se faire même pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tailler tu penses? Non peut-être pas maintenant, je pensais qu'il se mettait là pour Par contre, ça va être, ça va être, juste mis un coup d'accel en arrière. Ça va être un bordel. Hein. Tu vas passer là. Ça même là, tu vois, ça continue de partir. J'espère en tout cas que vous kiffez le stream, les gars. Je sais pas si vous aimez bien ou pas. Mais en tout cas, je prends du plaisir à vous filmer ça, hein, les gars. Ça me fait plaisir, franchement. Vous allez partir à l'autre spot? Ouais, on va partir à l'autre spot. T'inquiète. T'inquiète pas. Vous inquiétez pas les gars, on va essayer de tout faire. On va essayer de tout faire. Ça drift pas ici, non. Du coup, Louis nous a expliqué en gros c'est un autre spot où ça drift, c'est pas ici, c'est autre part. C'est là, putain, il y a des voitures partout, gros, je sais pas où donner de la tête.
Je sais pas où donner de la tête. Gros. Elle est magnifique. C'est quoi ça comme marque? Subaru WRX son STI celle-là. Donc il y a moyen, mais il est VI. Derrière, t'as une Toyota Supra. Là, t'as une GTR de Nissan avec un Peter Liberty Walk. Derrière, là, c'est la Mustang. C'est la Mustang derrière. Là, t'as une autre GTR. Ouais. Celle-là elle est magnifique hein, les gars. Celle-là elle est belle. Attends, je vais vous mettre le flash. Je sais pas si j'ai mis le flash. Des routes courses un peu. Ah, je crois qu'il part. Ah non, pas du tout. C'est que c'est lui. Ça, on dirait des routes de circuit un peu. Ah, je crois qu'il part. Je crois que ça se casse là. Ah, je crois que c'est à la meuf la voiture. Je crois qu'ils vont partir. Voiture, je crois qu'ils vont aller faire un tour eux. On va voir. Comment tu vas? Bah ça va hein. Ça va tranquille, on vit un petit peu. Ça aussi, ça c'est ces petites voitures, je sais pas ce que c'est comme voiture les gars. Si quelqu'un peut me dire. Je sais pas ce que c'est, mais bien belle aussi. Toyota Supra ça. Enfin, je dis petite voiture, bah ouais, parce qu'en gros, tu sais, elle est moins flashy et tout que certaines voitures qu'on a vues, mais je suppose qu'elle est belle. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ah, qu'est-ce qu'il y a m'appeler? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, taillé, vas-y. Ton stream est plus quali, t'as fait les réglages de Zach? Ouais, en fait, c'est que j'ai baissé les bitrate. Regardez Kezia qui fait des belles photos. Oh là là, l'ambiance malade, c'est mon taillé, je pense qu'on va accélérer. Qu'elle a la fait mec. Laquelle? Celle qui vient de passer là, noire avec les vitres teintées là. Putain c'est impressionnant. Oui. C'est quoi ça? Ah, il est en Atanam. Il a des caméras. Ah ouais, il a des caméras. Le setup qu'il avait lui. Ouais, ça s'appelle un Atanam. C'est quoi qui arrive là? Ouais, t'es tout taillé donc on accélère. Ouais ouais. De toute façon Louis il a dit nous aussi on va tailler, on va aller dans l'autre spot. C'est quoi comme voiture ça? Petit Lotus, Daihatsu. Wesh. Putain, même les toutes petites voitures, tu sais, qui payent pas trop de mine, elles ont un bruit de. Putain, moi, c'est lui là-bas que je veux repartir avec la Lambo là. Parce ouais, que mais. Lambeau, elle fait un bruit. Ouais, mais lui, il a pas l'air de partir, mon pauvre. Hein. Il roule à droite ou à gauche au Japon? Il roule à l'anglaise, les gars. Il roule à l'anglaise.
est-ce que c'est une Evo 4 Non, il y a eu une Evo 6. C'est quoi comme marque? C'est Mitsubishi. Ok, d'accord. Là, il y a de la française, Mégane 3RS. Mais t'as vu tout à l'heure, il y avait une voiture, elle avait une plaque française. Ouais, c'est des Mégane 3RS. En fait, ici, ils aiment bien garder les voitures françaises avec les plaques françaises quand ils les importent. Ok, d'accord. Donc, du coup, ils mettent leur plaque à eux par-dessus. Ok, d'accord. Et pareil, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'il y a des voitures ici, plaques japonaises. Et en fait, avant le chiffre, au lieu d'avoir un caractère en katakana ou hiragana, t'as une lettre, t'as soit A, soit Y. Et en fait, c'est qu'à 20 minutes d'ici, t'as une base de l'armée américaine. Et en fait, bah, leur voiture à eux sur leur plaque, t'as un A ou un Y. Donc du coup, tu sais que c'est des Américains. Ok. Bonne soirée, Evo. Tiens, les voitures de Need for Speed, mec. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Les gendarmes français en sueur devant le stream. Bah force à eux. Mais ici d'ailleurs au Japon, on a appris un truc, c'est que les radars, en gros, il avait dit quoi Louis, c'est... Les radars, tant que t'es pas à 50 km/h au-dessus de la limitation, t'as rien. Ouais. En fait, ça commence à te lâcher qu'à partir du moment où tu dépasses les 50 km/h au-dessus de la limitation. Donc genre, c'est une route qui est limitée à 130, si tu roules à 170, 179, t'es tranquille, t'arrives rien. Par c'est contre, si tu te fais péter. Ouais, là tu prends bah, c'est suspension directe. Suspension et tu peux suspension et prison, ouais. C'est ce que Louis nous a expliqué parce qu'il avait mangé une suspension de permis. Il a mangé une suspension de permis parce qu'il était à 66 au-dessus de la limitation de vitesse. Et il a dit s'il aurait dépassé un petit peu plus, c'était la prison. Et apparemment au Japon, la prison, bon, c'est. Ça rigole pas de ouf. Putain, non, mais la Lambo, elle est impressionnante. Putain, c'est assez beau, hein. J'ai oublié déjà, vous m'avez dit dans le chat le modèle de la Lamborghini, mais j'ai oublié. Aventador Spider. Aventador Spider. Putain de merde. D'ailleurs, c'est assez rare. Ah, c'est rare ? Normalement, en Spider comme ça, t'as plus de la SVJ ou de la SV. Mais de l'Aventador basique comme ça en Spider, c'est pas très commun. Ça coûte combien à peu près ? Tu penses ? Alors là, aucune idée. Tout à l'heure, je crois qu'on m'avait dit 400K, un truc comme as. Mais en fait, c'est que les Lambo, les FF, etc., maintenant, c'est un peu comme les montres, quand ça sort, ça prend de la valeur. Mais t'as vu, il y a aussi des phares sur son aileron là. Ouais, ouais. Je crois que c'est une. C'est bien ça. Ça dépend, c'est un permis international ou japonais, les sanctions sont différentes. Ça, les gars, je vous avoue, je sais pas. On va passer par là. Ouais. Il y a une magnifique GT3. Laquelle, la jaune? La blanche et la poche. La blanche? Là, c'est une Nissan 350Z. C'est la voiture qui a la fin, au fin de Tokyo Drift. C'est la voiture mythique de Underground 1. Porsche GT3, véhicule très mythique. Toyota Supra. Plus que mythique même. Ah ouais? Bah, c'est Fast and Furious. Je crois que je l'avais montré. C'est une Ford aussi. Je crois que Louis il avait montré celle-là. Ah ouais, bah tu vois sur la plaque Toyota Supra et tout. Putain, elle est magnifique. Hein. Ah, quand ma Lambo, ouais, bah ça arrive fort, t'inquiète pas. Va. Là, y a des gens, ils prennent en photo. Bon, après, je pense que c'est peut-être sa voiture. GTR 34, mais, de la RX-7. Mais y a encore plein de voitures, hein, putain. Il en fait, y a un drone. Où ça? Là. Où est-ce qu'il est le drone? Là. La lumière verte qui clignote en haut de la route, tu vois pas là-bas? Y a un drone. Ah ouais? Ah ouais, ouais, putain, c'est la folie là. Subaru BRZ. Là, t'as une cylindre. Ils font des courses ou pas? Ouais, mais pas dès que coup même. C'est une route qui est un peu plus loin. Putain, les bruits, mec, c'est impressionnant. Ça, c'est Lambo, ça. Moi, je veux que notre pote, il parte, là. Le mec avec la Lambo, je veux qu'il choque le monde, là. T'as vu la voiture comment elle est penchée là? Laquelle? Celle-là. Tu vois pas? La bleue là à côté de la blanche, c'est, ah, tu vois? Là t'as du BM, t'as de la M3, t'as de la GTR encore, t'as une GT3 encore là-bas. Non, c'est de la grec, le véhicule ici c'est ramené. La GTR là, t'as une là-bas, t'as encore une. Là-bas où tu as un coffre, c'est le cœur dans le Ford Focus. Ok.
Okay. Là-bas en rouge, t'as une autre GTR avec le kit Hyper Fuel. Et là, t'avais un rouge, encore avec le kit Hyper Fuel. Putain, et là, il y a des voitures plus anciennes, j'ai l'impression que c'est des voitures américaines, non? C'est de l'américaine. Ouais. Il y avait vraiment les voitures dans les clips de Snoop Dogg, avec les grosses roues qui se balancent. Putain, celle-là, elle est magnifique. Celle-là, elle est très très belle. Ah, je vais mettre le flash. Celle-là, mon pote. Ah. Ouais, là, faut tailler. Ah, là, je crois que c'est fin. Là, je crois que c'est fin de partie, là. C'est fin de partie, fin de jeu, on taille. Là, je crois que c'est on tire le rideau, là. Là, on taille. Pas fin du stream, pas du tout les gars, on va aller à un autre spot. Restez bien ici, on va aller à un autre spot. Il y a encore les voitures, on va même monter dedans. De toute façon là on va monter dans celle de Louis qui est déjà pas mal. Celle-là elle est belle. Mais je crois que là ouais c'est fin, là c'est. On tire le rideau. Hein. Voilà, tout le monde qui bouge et tout. En bleu mat comme ça, elle est belle. Putain, elle est belle. Hein. Français, c'est ta voiture? Non, on est loup. Hein? On fait des tours avec. Ok. Ah, je vais retirer le flash. C'est combien un tour avec? Ça dépend de la voiture. Ça? Celle-ci, c'est 59 000. Gain? Yes. Et on a la rouge là aussi. En liberté on aussi, a ouais. La blanche. Ok. On en a pas mal. Everything's fine with the police, right? What? Everything's fine with the police, right? Yes, we just have to move. We have to move? Yes. Yeah. Oh, we have to go there. We go another place. Oh, we go to another place. Yes. Don't worry. Non, lui, il est plus éclairé l'endroit, je pense, le plus non? Ouais, ça va être beaucoup plus éclairé. C'est où? Parce que nous, chez Kompou, c'est un endroit là. C'est Umiyotaro. Je pensais qu'il y a des bruits. C'est au milieu de la baie de Tokyo. Bah, c'est ça alors, ok. Bon, on se reverra tout à l'heure. Bah, ouais, carrément, à toutes. Vas-y, on va rejoindre la voiture, on va monter dedans. Les gars, je vous l'annonce, on va être en voiture, il y aura du F. Donc c'est normal, ne paniquez pas les mecs, faut juste être patient. Ne vous inquiétez pas, le stream, je le laisse en route et tout, il n'y a aucun problème les gars. Il a dit combien en yens déjà? C'est ouf. Il a dit quoi? Le tarot. Ah ouais, il a. Ah bah voilà. Et les frérots avec les GTR là, en fait c'est des Français. Ils font des tours de GTR. Mmh. Et je lui ai demandé c'est combien un tour? 59 000 yens. Ouais, c'est 400 balles frère. 400 balles de tour de GTR? Ouais, avec les stickers là. La bleue, la rouge ouais. Et la blanche. Il tue au coup là. 400 balles de tour. En vrai, tu payes et tu peux faire les. Mais en vrai, le mieux, si vous voulez faire ça, tu loues une GTR par toi-même, ça va te coûter moitié plus. Bah ouais. Mais attends, quand tu parles de. C'est la journée ou. Non, c'est, il te fait un tour de GTR, t'es passager, c'est 400 balles. Ah oui. Tu peux les conduire aussi, je crois. Tu peux les conduire, quoi. Il y a des tours. Ah bah là, il m'a dit le tour, c'est 400, c'est 50 000 pièces. Ouais, c'est rapide quand même, hein. Putain. C'est très cher, hein. Ah ouais, putain. Mais c'est le scénario parfait, tu vois. Tout le monde va décale, c'est ce que je te disais, 20 heures. Ouais. Et c'est où pour moi? Là-là Umi Otaru, ça s'appelle ça. C'est ça, bah, c'est là où c'est la ouais, même ouais. Qui les affaires sont les affaires, ouais, les affaires sont les affaires, mais à ce prix-là. D'accord. Il y a un frérot, il nous a dit, là, parce qu'il était français, il avait. C'était une Nissan GTR, finalement. Et il a dit le tour, c'est 350 balles. Euros, hein. Oui, bah oui. Donc les affaires sont les affaires, mais je trouve qu'il y a des limites quand même. Ils nous proposaient de faire un tour pour 350 euros. Non, pas, juste on a demandé quoi. Ils font un tour, toi, un peu comme moi je fais, mais avec des GTR. Ah. Mais c'est genre, ouais, c'est 50 euros, c'est beaucoup. 59 000, c'est beaucoup, mais je croyais qu'ils voulaient dire un tour, genre juste comme ça. Mais on fait des tours, je dis, mais c'est combien le tour? Et pas dit 50 000 yens. Mais c'est des longs, je pense que c'est 3-4 heures. Ça fait cher quand même, mais tu peux y parler du tour de 10 minutes ouais, là, c'est ce autour. Si ouais, c'est une expérience de plusieurs heures, bon, ça vaut le coup aussi. Je pense. Attends, bon, bien le chat. Je vais mettre le chat. En fait, je vais le mettre comme ça le chat. Je pense que je vais retirer les overlays et tout pour ce stream. Comme ça, il y a toute la vision. Je vais mettre le chat pour nous. Un truc au shopping. Vas-y. Ah, voilà, putain, comme ça, je vois bien le chat. Là, c'est mieux.
Et là, on monte dans cette voiture, ouais, c'est ça. C'était celle-là la voiture. Ouais. Là du coup on va monter dans cette voiture les mecs. C'est la voiture de Louis. On va monter là-dedans. C'est mieux là, vous préférez comme ça, cette disposition là sans le chat ni rien. Fallait me le dire plus vite en fait. Je monte au milieu, sur le côté, tu veux monter où? Au moins au milieu t'as la vision aussi devant. Ok. Pour filmer. Vas-y, vas-y. Allez, du coup rentre. Hop. Allez. Hop là. Bon, le stab c'est normal, je me suis assis sur le fil. Ah merde. Putain, on a pas vu le frérot avec la Lambo, putain. Ah, tu l'as pas vu démarrer? Non, en fait il a démarré mais pour reculer, se garer une place derrière genre. On va l'entendre partir. Je pense que vu le bruit... J'ai entendu un truc là-dessus, c'était bon. Ouais. Non, je pense pas. C'est une GTR ça. Comment ça, mais au bruit tu reconnais la voiture? Je récale quand t'es pas fini. C'est quoi, c'est rien que les jauges au milieu de turbo, l'huile et tout, tu sais que ça m'impressionne. Rien que ça, hein. J'ai l'impression qu'on est dans taxi. Il y a un truc de timer pour le turbo quand tu l'éteins. Ah ouais? Déjà rien de turbo. T'en penses quoi, Hugo? Toi, t'es content de ton expérience là? Je suis très heureux de mon expérience. Et t'es heureux d'être avec moi aussi? Ouais, un peu moins heureux d'être avec toi. Mais l'expérience compense, donc j'ai envie de te dire que c'est l'essentiel. Moi, t'es sûr que en vrai, là, il a dit que le prochain spot où on allait, il y avait un peu moins de monde. Mais déjà, c'était mieux éclairé. Kezia, pour tes photos, je pense que ce sera peut-être un peu mieux. Ici? Non, le prochain, on le voit. Prochain, ouais, je pense. Le prochain, c'est éclairé de ouf. Ouais, donc tu vois, ça sera mieux pour toi. Ah, ouais, sinon, t'as une vraie lumière le prochain. On est à combien de temps du prochain là? Tu penses? On est à. Un petit coup de stress. J'ai vu le petit coup de stress. Un petit coup de chaud là. Allez-y. Non, le prochain, on est à une quinzaine de minutes. Oh, 15, ça va. Ça permet de rouler un peu. Il y a un peu les bouchons. Attends, je vais m'avancer un peu. Tu streams juste avec ton téléphone? Ouais. Un téléphone et un stab. Là, il y a Zach qui regarde League of Legends, lui de son côté. Genji versus Stab Sport. STI devant moi, j'ai 50 potes blanches. Ouais, c'est la guerre. C'est quoi, c'est pas les MSI là? Si. Hugo, ça te rappelle ton appart, les RGB, ambiance triptyque, gigolo, tout ça, bon, ça va ou quoi? Oh, c'est les bâtards. Vraiment, j'accesse la vanne, oui, ça va. Exactement. Pourquoi t'as mis des néons dans ton appart, toi? T'as pas vu, toi? Non. J'ai vraiment un appart de striptease. Non, ça va. Vas-y, montre. Putain, mais je pensais que j'étais. Ah non, c'était il y avait que ça la dernière fois. Il y a un appart de Chip and Dale. Bon, c'est bon? Un appart de Chip and Dale. Vas-y, montre. Attention, du chef. T'as quoi comme micro? Le micro de mon iPhone. Tout simplement, on cherche pas plus loin ici. Hein. Mais ça, c'est quoi les messages? C'est une compétition internationale. Ah, ok. Et c'est moins important que les Worlds. Oui, c'est moins important que les Worlds, mais ça reste Fantos. Ok, d'accord. Mais j'ai déjà montré la fois précédente. Mais mignon en vrai ton appart. Hein. Ça va en vrai. Ah, oui, il est mignon, mais c'est juste un appart de stripteaser. Ah, ouais. Et attends, bon, là, ça fait pas stripteaser, mais attends que. Voilà. Peut-être que là. Bon, il est vrai que là, c'est une ambiance que... un peu par de Paul Dance, tout ça. Ok, je veux bien l'assumer, y a pas de soucis. Non, mais ok, au moins tu mets du style dans ton appart, c'est bien. C'est plaisir. T'accueilles beaucoup de gens chez toi? Pas du tout. Je peux venir? Non, ça ira. Bah, y a quoi? Y'a pas une dizaine de meufs par semaine. Hein. Non, Hugo, c'est. C'est la chaîne de Kissio TP, ça? Ça s'est bien passé depuis le tour là. Ouais, franchement, incroyable, mec. Et les camions, ils trop bien, hein. Mais c'est la folie. Les camions, c'est vraiment une dingue. Mais même là, je pense que là, on va aller, mec, ça va être la folie. Hein. On va aller où là? En fait, c'est un spot. En gros, c'est un peu bizarre. C'est une espèce de centre commercial au milieu de la mer. Vous allez voir, c'est chelou. Trop bien. En gros, t'as un pont et un. Tu sais, Tokyo, ça fait une baie comme ça. Ouais. Et il y a un tunnel qui passe d'une. Pour aller d'un pont à l'autre, quoi. Ça fait genre, tu sais, 20 km. Et au milieu, ils ont fait un centre commercial. Et en fait, c'est un spot qui est safe. Les flics, ils viennent jamais. Et du coup les gens aiment bien aller là-bas après Daikoku parce que c'est sur la route pour retourner à Tokyo. Okay, parfait. Et t'as une vue assez sympa sur Tokyo. Excellent. Arrêtez de raconter des conneries dans le chat là. T'as une vue à 360 degrés donc c'est cool. Excellent. Et c'est ouais, une petite quinzaine de minutes là. Le problème c'est que vu que tout le monde sort en même temps, c'est un ça met du temps à sortir. Ouais, ouais. Là ça bouchonne un petit peu. On est pas pressé. Ouais, tranquille. Je crois Yass il a un date après mais... Oui bah je suis en route là. Connard.
t'as me causé des problèmes toi. Ah non, le date c'est avec moi. Bah gros, le date c'est dans l'appart du coup. Attends, je vais mettre le flash. Vous êtes tous dans le même appart ou il y a des... Actuellement là? Ouais. Actuellement moi je suis avec Kezia et Yas. Et putain c'est... Waouh. Et Zach c'est agréable, et, en tout cas. Ouais putain c'est... Ouais, ouais, en tout cas c'est vraiment... Bon c'est bon? Je vais le retirer le flash. Bon. Moi aussi je peux avoir un bec ou c'est interdit? Non, toi je donne rien. S'il te plaît. Kezia Louis, vous en voulez? C'est des bonbons? Ouais, je suis chaud. S'il te plaît, vas-y, envoie un bec, s'il te plaît. Du coup, ce crevard, il donne un coca. Envoie un bec. Mais non, mais si vous voulez, vous redemandez. Ok. Le paquet est là. Non, toi, je te donne rien. Mais s'il te plaît, frère, tu peux me donner un bonbon. Merci, mon ami. Merci. Ah, mais donne un par un. Mais non, mais. Oh, il y a le paquet. Non, mais vous, c'est grave. Hein. T'es un rat, frère. Les amis, avis sur les gens qui donnent les bonbons un par un. Ah, vous prenez le paquet, vous commencez à me fatiguer. Hein. Non mais t'es un rat, y'a pas de gueule. CCER. Petite gêne là. Non, en tout cas rien là. Là ça régale. Pas quoi. Pas WB, je suis un peu débile. Non. Merci. Merci mon loulou. Putain, c'est un standing de différence avec l'année dernière. Par contre. Putain. T'as vu, c'est bien mieux. Hein. Ah ouais gros. Comme une demi-heure. Et à Paris, pour vider un parking comme ça, t'en as pour une heure facile. Mais là, le truc c'est quoi? Après en fait, ils commencent à faire des... Des amendes et tout, si tu veux. Ah ouais? Hugo, il te demande de rembourser ses 2 euros, ça se voit. Alors là, jamais de la vie, franchement. Hugo, il envoie des Lydia de 14 centimes. Ouais, 14 centimes pour l'autre soir. Franchement, vous aimez trop colporter des fausses informations, c'est grave. Non, on n'est pas comme ça. Colporter des fake news? C'est vraiment pas du tout le genre de la maison. Genre de la maison? Jamais. C'est quel soir de la semaine où il y a le plus de monde? Ici, à Daegu, je pense que c'est aujourd'hui. C'est le samedi. À droite, là, il est magnifique. Dimanche, il y a du monde. Oh, c'est américain ça. Mais il y avait un. Ouais, lui il avait dit c'était un espèce de polonais, il y avait un mec qui avait fait le buzz, putain. À la Juco. On va prendre la route, ça y est, c'est parti. Vous allez avoir peut-être des petits bugs sur la route, les ouais, amis. Ouais, c'est normal, genre. Normalement, ça va. Le réseau il est pas. Ouais, nous laisser avancer un peu et ça ira. Hop là. Bah alors, bon, il est encore samedi soir, on est en décalé. Bah oui, dans la logique, on est au Japon. C'est plus 7 de chez vous, les gars. Les mecs viennent se... Parce que normalement, t'as les mecs qui viennent regarder la sortie, tu vois. Ouais. Et là, débarque à Tokyo dans une semaine, je suis tout nu devant vos vlogs. Oh là. Il y a une app peut-être ici pour traquer les. Vive la Pologne. Ah non, mais respect à la Pologne, par contre, quand je suis allé à Varsovie, très magnifique. Cracow, une des meilleures villes d'Europe. C'est pas comme. On change de spot. Il y a Zach qui tourne sa vidéo en même temps aussi. Limon de Croatie. Qui n'a. Ah, on retient rien de la Croatie. Hein. Rien à dire sur la Croatie, c'est nul, voilà. Vraiment? Pardon? Premier degré, genre? Ah ouais, moi je suis très premier degré. Je suis jamais allé. Mais... Ah non, moi j'ai détesté la Croatie quand j'y suis allé. C'est vraiment la ville. Enfin, le je suis pays. Allé à Dubrovnik, j'ai pas kiffé de. J'ai pas du tout kiffé. Dubrovnik, c'est un peu le. C'est la. On va dire, c'était balnéaire un peu, non? Game of Thrones et tout. C'était balnéaire. Quand pour monter en haut d'un rempart, ils m'ont demandé 35 euros, j'ai dit oui. Là vous êtes allé où du coup j'ai vu un peu dans le sud du Japon. Fukuoka mec. Ouais c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, légendaire. Fukuoka c'est légendaire. C'est vraiment l'une des meilleures villes du Japon. Attends là. Osaka en mode déjà ils sont plus cool et tout. Non Fukuoka c'est le vrai truc. Voilà. Enfin tout le Kyushu là l'île du sud. C'est incroyable. Quand tu mets ta question comme ça. On est allé dans le très oubliable Kagoshima. Oh là. Oh putain, j'étais en arrière là, je le sens là. Aïe 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 aïe. Le virage. Putain. T'en enlèves de fou. Incroyable ça. C'est les autobahns. Ah, avec la vue et tout, là on passe sur le pont, c'est. Ah ça régale. Exceptionnel. Ah, je sais pas si on ressent ça sur le stream, mais c'est incroyable. Hein. Après avoir vécu ça, quand il y a ça, que ça va retourner en ta Ford Fiesta, ça va faire tout drôle. Hein. À la mine après Ford Fiesta 4. Oh putain, ça régale. Là, je suis content. Là comme dirait JMK, JMK, ouais, là on part en enfer, direction l'enfer. C'est aberrant. T'es en 3-0-5? Non, là, je suis en 1 là. Ah, j'ai dit, ouais, c'est quoi? Oh là 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 là! Putain. Regarde à gauche, wesh. La voiture à côté nous a dépassé comme si on était à 50 km/h. C'est normal. C'est comme si on allait au ralenti. Alors que. Ah là là, c'est pas là, c'est à 90. À perdre.
c'est aberrant. Et la GTR, c'est aberrant, frérot. Ouais, c'est trop, frère. Je sais pas s'il a deux fois et demi plus de chevaux. Là, je me suis fait humilier en live. C'est vrai qu'il est en PLS. Mais non, c'est un qui kiffe là. Je m'en trompe. On kiffe tous là. Il y a ton cœur à gauche. Il y a même un spot quand on passe, les gars. Deux jours, on peut voir le mont Fuji sur une des routes. C'était magnifique tout à l'heure. J'ai pas pu le filmer, mais c'était magnifique. C'est fort ce truc. Je ralentis un peu, c'est blindé tous les queues de la sortie du. Tranquille, t'entends, tu connais tes classiques. Oh putain. Il a dit je ralentis un peu, il renvoie. Ouais. Putain. Oh là là. Elle sonne bien la vie. C'est quoi la voiture là. C'est une faut demander WRX STI. Tu peux répéter WRX STI. C'est la Subaru Impreza. WRX STI. STI, les mecs. Pour les connaisseurs du chat, c'est ça qu'on voit plus de gens dans l'automobile pour les Zach en roue libre. T'as raison. Un petit Zach en roue libre GMK. Je t'en ramènerai, mec. Oh, ça sera incroyable. Ouais, de ouf. Zach en roue libre GMK, ça c'est. Y'a Tokyo, New York. Je suis jamais allé à New York, mec. Mais je pense quand même que Tokyo doit fumer cette ville. Sans trop de problèmes. À partir du moment où deux bouteilles dans un kit 4, c'est $30, oui. Ouais. je pense que. Il va falloir c'est difficilement plus agréable. New York claqué au sol, mais c'est juste que tout coûte une blinde quoi. En fait c'était richissime, c'est bien. Ouais. Mais parce que Tokyo en fait en comparaison, surtout maintenant que le taux de change est vachement avantageux pour. Ouais. Parce que le yen est très faible. Non, ouais. C'est méga bon marché là. Mmh. Oh là là. C'est le moment de venir. Là c'est la dernière game là. Oui. Ok. Il y a combien de deux. Oui. Alors, regardez Zach. Oh la dinguerie, il s'envoie du League of Legends, ce bon vieux Zach. Bah oui mec. C'est combien la limitation au Japon? Bonne question. Là il y a un panneau. Non, c'est pas la limitation. C'est combien la limitation de vitesse dans une route comme ça? Là c'est 80. 80? On va pas dépasser, on est à 90. Ok. Pourquoi tu rigoles tout ce qu'il a dit? C'est 80, c'est un peu, on est à 90 tout à l'heure. C'est comme GMK dans ses vidéos. Récemment il le fait beaucoup, il dit ouais. Ouais j'étais à 120 là. Ouais il, à chaque fois il dit ouais ne vous inquiétez pas, on a un ouvreur, une personne qui ferme. Ne vous inquiétez pas, c'est sur une route privée, c'est une route fermée. Tu vois un scooter. Tu vois un scooter qui passe. Le daron avec sa poussette. Sa poussette à 20. C'est pas trop 50 ça. Ouais, bien joué là. Il a dû se faire à mon avis, son avocat il a dû dire ouais. Zach il est fou dans la faille même pendant un tour de Tokyo Drift. Tu sais quand en termes de bruit. J'aime trop. La 350 ça me fait tellement kiffer. Le V6 sent le chimie. C'est un vrai passionné. Non mais je suis là, je vais, je regarde. Je suis pris. Allez, c'est quel truc là la game. Je suis pas très fantôme. Ah non, c'est mais. Ah oui, c'est vraiment sur la fin de la fin là. De complètement que faites. Oh putain. C'est un peu bancal, je pense. Limite, voilà, là tu vois tous ceux qui reviennent du même endroit. Infinity là, c'est la folie. Tu vois la boîte de la boîte. Yeah.
arriver là-bas. Comme ça, ça pourra faire un insert, un nouveau spot. Lou Hugo, il est juste à côté de moi. Insert, un nouveau spot, ça va pas. Là, on va arriver, les gars. Juste là, on va passer sous l'eau, apparemment. Ouais. Donc, peut-être que ça va... Peut-être que ça va couper. Normalement, il y a du réseau. Normalement, il y a du réseau, d'après lui, donc on va voir. Aïe, 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 aïe. Vous dites, hein. Oh là là. On va pas vite ici. Oh là 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 là. Joueur professionnel, moi, je suis Mbappé. Je suis payé 30 millions d'euros à l'année, moi.
stab carrément. Le stab a flanché carrément. Ah, ils sont partout gueux comme ça. Ouais. Oh, de la balle. C'est bien éclairé. Attends, je vais le second. Il y aura moins de monde que le. C'est pas autant que le premier, mais. Ça sera cool quand même. C'est en haut, ouais, c'est éclairé. En haut. Des fois, ils se posent ici aussi. J'ai vu une LFA là, un peu ici. Il s'appelle comment l'endroit où on est? Umi Otaru. Comment? Umi Otaru. Umi Otaru. Umi Otaru. En fait, là, on est au milieu de la mer, tu vois, c'est comme si t'étais sur un bateau. Et là, tu vois tout Tokyo. Enfin, là, c'est plus Yokohama. Mais on voit loin là-bas, là. Ouais, ça, c'est Yokohama. Et après, il y a Tokyo à gauche. À droite, pardon. C'était au milieu de la baie de Tokyo. Ouais. Oh la dinguerie! Oh la dinguerie! C'est quoi? Oh la dinguerie! C'est une Senna, ouais. Oh putain de merde! Je sais même pas si vous avez déjà vu une. C'est quoi ça? Oh putain, c'est une McLaren Senna! Oh putain c'est de merde! Genre, c'est vraiment rare. Et attends, dessus il y avait écrit Richard Mille. Oui, c'était écrit Richard Mille. Oh la la! McLaren Senna! Oh la la la! Dans le chat, est-ce que vous connaissez. J'ai rien compris. J'ai chaud. Oh j'ai chaud. J'étais pas sûr, je l'ai vu de loin, je me dis non, peut-être c'est une feinte. J'ai chaud sa merde. Oh les photos. Attendez, on va se garer les gars. On va vous montrer tout ça. Voilà, Senna, c'est. Je sais pas combien il y en a. C'est l'hypercar McLaren, quoi. Dans le chat, t'as dit c'est plus d'un million. C'est... Ouais, ouais. Ah oui, non, oui, 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 c'est beau. Il y a genre, y a genre 20 millions, 20 exemplaires. Ah, c'est bien ce qu'on genre, si tu donnais une fourchette plaisir en termes de prix. C'est des prix genre avoisinant les. Là actuellement je pense on est pas loin des 5-6 millions facile hein. 5-6 millions ouais, non, c'est vraiment ah non non c'est les gars vous vous rendez pas compte de ce que c'est là. Ah ouais ah, oui. Ah non les gars c'est sombre de fou. Ça j'en ai jamais vu moi. Ah, ah toi ouais, jamais vu toi. Ouais j'étais un gris. Ah ouais on est face à. Les gars je vais vous montrer tout ça. Tonton Marcel au cœur du terre-terre. Voilà le terre bleu est là. Kézia mon gars. Bon là mon gars. Là, regardez, là, on est dans ce spot-là, dans un parking, les gars. La deuxième porte, elle est pas fermée. Là, on était dans ça. Merci pour ça. Ah, c'est magnifique. Oui, oui, tonton, c'est joli, putain. Merci pour ce content, Kias, mais y a pas de problème, moi, c'est motivé. Bon, y a un peu de vent, par contre, vous allez peut-être entendre le vent, les gars. Bon, je vais aller face à la voiture qui vaut 30 milliards d'euros, les gars. Désolé pour le vent. Ah ouais, il y a tout le monde... Tout le monde... Ah oui. C'est ça, la voiture, là? C'est ça, la fameuse... Apparemment McLaren Senna, je connais pas moi les gars. Je rembourse toute ma vie. Mais l'arrière il est comment? Attends je vais mettre le flash. Il y a d'autres voitures qui arrivent. Où est l'arrière? Où est l'arrière mon gars? Imagine tu fais tomber un cap sur Agova. Ah ouais mais là les gars faut des subs, hein. Faudra des subs et je vais retourner taffer et je vais arrêter de streamer surtout, putain. Merci. Ah ouais. Merci.
707, tu l'arrives. Ah bah c'est pas cher en route là. Là-bas, j'avais pas vu. Je sais pas pourquoi. Ah, il y a un feu d'artifice là-bas. Non, mais les gars, il y a un feu d'artifice, il y a à peu près tout. Non, mais. Bah, alors celle-là, mon gars, putain, elle est belle. Hein. Arrête de souffler sur la cam, on n'entend pas, mais c'est qu'il y a du vent, les gars, on est en hauteur. Je suis désolé, je peux pas faire. Voilà, regardez. Il y a vraiment du vent à fond les mecs là, vous entendez vraiment le vent? Là je peux rien faire. Je mets le mode vent mais je peux pas. Appréciez le moment en tout cas. Mets ta main devant le micro sur le micro, ça va tirer le vent, je suis même pas sûr mec. Genre là, attendez, là j'ai mis ma main devant le micro, ça bloque un truc là. Là vous entendez moins le vent? Je pense pas hein. Tu vois, ça change rien hein. Oui. Bon là c'est couvert donc c'est cool. Thank you.
quoi ça? Où ça donc? Oh, regardez. Derrière en mode kawaii. Ah, l'intérieur prairie, yeah. Très beau, stylé prairie, là, ça a trop de flow. Ah ouais, il y a même des télés derrière, j'avais pas vu. Wesh, avec des écrans derrière et tout. Non, c'est la folie, frère, c'est trop lourd. Alors ça, je sais pas ce que c'est comme véhicule, les gars, dans le chat. Pour les connaisseurs, là. GTR, ça ? Putain. Attends, je vais pas les rouiller, les voitures. Les gens, elles sont mastoc. Une autre GTR là. Tu vois celle-là? Ah bah c'est le français de tout à l'heure. À droite, Supra blanche, laquelle vous voulez que je vous montre, les gars? Laquelle vous voulez que je vous montre? Ah, GTR rouge, mais attendez pas. Ah, celle-là? Celle-là, ça c'est une voiture normale. Celle-là ?